Hey, salut tout le monde, retour de vacances, on reprend les urbex et on commence avec une petite pépite avant sa démolition. On part sur l'exploration de la maison du Fort Lapin. Voilà, c'est parti, on va explorer ça. Donc la maison a été déclarée hantée par plusieurs experts, hein, entre guillemets bien sûr, en paranormal. On a eu l'info comme quoi elle allait être détruite bientôt. On sait qu'elle est vide, mais on voulait quand même passer ici pour l'explorer, la voir avant la démolition et donc vous la faire voir en même temps. Je sais pas si on pourra aller à l'étage par contre. Vu l'état du... Ouais, ça va être bien dangereux d'aller à l'étage. Ok. Ouais, du coup. J'ai envie d'y monter, mais. Par contre, ça devait être super beau quand c'était en plein état. C'était tellement magnifique. Vous êtes tellement beau. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la maison, pour la petite histoire, il y a des années de ça, une famille vivait ici et la mère a puni sa fille et l'a enfermée dans la cave. Sauf que malheureusement il y a eu une inondation et j'ai plus les détails exacts de l'histoire, mais de ce que je me souviens, la petite fille est décédée dans la cave. Donc suite à cette inondation, elle s'est noyée dans la cave et donc cette cave là, et bah depuis ce jour là la maison est hantée. Alors donc ouais, ok, faut pas être grand. Donc c'était dans cette cave là ok, donc c'est vraiment petit, ouais. Donc elle avait vraiment pas beaucoup de place et c'est bas de plafond. Donc on va aller à l'étage nouvelle. Je te le filme, je te le montrerai, tu le verras dans la vidéo, mon petit Jay, parce que en dessous de toi c'est plus pourri, c'est démoli le machin. Là faut faire attention où on met les pieds, ouais. Donc on a réussi à accéder à l'étage. On va passer chacun de notre côté, chacun de notre tour. Ouais, ok. Voilà pourquoi je n'irai pas beaucoup plus loin. Dans cette pièce en tout cas, j'irai pas. Dans le couloir, on va essayer d'avancer un peu. Ok. Ouais. Ouais, donc en fait, ouais, dans toutes les pièces, t'as le sol qui se défend, donc je pense que... T'as réussi à aller jusqu'au bout? Donc on va aller au bout. Donc, okay. Là, c'était les chambres. Donc on va pas prendre le risque de rentrer dans les pièces. L'objectif, c'est pas non plus d'avoir un accident. Voilà, c'est terminé pour cette exploration. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison et les enquêtes qui ont été faites, je suis sûr que vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur Google aussi.
Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'histoire de ce lieu. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est revenu de vacances et on va essayer de vous faire de plus en plus d'explorations et des explorations de plus en plus belles. On a réussi à récupérer un carnet d'adresses énorme. Donc on sait qu'on va pouvoir vous faire rêver. J'ai d'autres projets aussi pour la chaîne, toujours qui concernent Urbex, mais d'autres styles de vidéos. Donc je vous en parlerai plus tard. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la suivante.